sou pa ki de la balonne. Oh,
Lorsque Jésus ou pas qu'un droit rentre, nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia, t'es font tu fermer ça. Je prête mon marche là, oui, même pour qu'on fasse là-dedans. Là. Il doit sens sud pour moi. Ok, tu fermes ça là. Excusez-moi, je suis dans le nom de. Peut-être que nous pouvons continuer. Bah, continuons, non, là, Jésus. Côté continuons, il est là. Yes, mais continuons. Yes. Mais continuons. Et bim, là. Oh, ouais. Nous, bah, bon Dieu, nous avons monté la caille. On a le ça avec l'offrande, yes, du soir. Attends, tu me tournes encore là, viens sur. T'as l'air, t'as l'air, gros masse m'brûter là, il faut qu'on veut travailler. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de ton pâturage. Entre dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Priez, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À nous lever voix nous ensemble pour nous dire, bon Dieu, merci pour grâce à faveur qui fait moi-même avec au matin. Nous chantons ensemble à 2309 français.
Yes, dans la salle de chaque monde qui monte, dans le moment ça, dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Et pas oublier, passer l'offrande du soir. Alléluia. Nous parlons pour vous dans Romains chapitre 3, c'est là, nous y est, verset 21 à continuer à 28 heures. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Parole du Seigneur. Thank you. Yes. Yes. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voulons te louer, te donner gloire, d'essayer de ce que tu as permis que nous soyons là, cet après-midi, pour présenter cette émission, l'offrande du soir. Merci pour la journée que tu as permis que nous traversions sous sa tête de protection. Alléluia, merci pour le service de la matinée. Et merci encore, Seigneur Dieu, de ce que tu nous as ramené encore sain et sauf à la maison. Nous voulons encore que ton onction repende, Seigneur, sur ton chacun. Permets qu'il y ait encore ce que nous regardons, soit béni et béni à salut. Donc, encore aie pitié de Jérubin, Romus, Eliman, petit homme, Marie Leboin, Martine Jean, Marc Célestin, Cathy, Joachim, Josie, Michel et Louise Lynn, Joseph. Nous encore te levons, Seigneur Dieu. Que tu exhaustes encore le cri, Seigneur Dieu, de Sheila Morin, Emmanuela Basley, Rose, Douda Michel, Johan Kader, Christilia, Jean-Pierre, Alléluia, Shirley, Julien. Agis, Seigneur Dieu, que cet après-midi apporte la bénédiction dans tous les foyers, Seigneur Dieu. Alléluia, n'oublie pas Tabitha et Sean, n'oublie pas encore et Magali Pierre-Olin, Chantal Pierre-Olin, Alléluia. N'oublie pas aussi encore Seigneur Esther, n'oublie pas encore Seigneur Dieu. Alléluia, c'est Delano. N'oublie pas encore, Seigneur. Alléluia, de visiter Chelsea et Melchi. Alléluia, spécialement ta servante qui va avoir une semaine de réveil. Nous t'en prions que ton onction repose sur tout un chacun. Agis, nous t'en prions dans le bouche. Agis, nous t'en prions dans le nom de Jésus qui veut décrire au siècle des siècles. Amen. Bon, quand plus le monde a demandé, mais est-ce que c'est Saint-Domingue Moyen, il y aurait point de bois des bois, bon, c'est sous galerie la Caille la Crémière, encore à Brooklyn, encore non aussi. Donc, nous n'avons pas encore Saint-Domingue. Nous avons deux mardis qui étaient, un mardi à Cap 14, avec mardi 21. C'est juste après ça, on m'appelle d'encore quitter. Alléluia. Donc, so, nous, bon Dieu, gloire, est-ce que nous sommes capables de retrouver encore en présence, ensemble avec nous dans le moment ça. Nous avons lu dans Romains chapitre 3, verset 21, nous avons été. Depuis dans Romains chapitre 1, verset 18, il parlait encore de l'universalité du péché et la culpabilité universelle, la culpabilité de tout le monde. Depuis commencer encore par les païens encore sans la loi, mais ils sont coupables. Alléluia. Les juifs avec la loi, ils sont tous coupables. Et puis les grecs, les moralistes. Alléluia, ceux qui ne sont ni juifs ni grecs, mais qui ont une bonne conduite. Ce qu'on appelle les moralistes, ils ont une bonne conduite. Alléluia, ils ne volent point, ceci, cela. Ce qu'on appelle les moralistes, mais ils sont tous sous la même condamnation. Sous la condamnation universelle, c'est l'universalité du péché. Mais continuez, on est dans Romains chapitre 3, verset 21 à continuer.
La quoi le référer maintenant qu'on est là, au mai 3, 21, en parlant de tout ça, yo, il dit, mais encore, il finit par aider et la culpabilité totale du genre humain, si on avait regardé un peu, alléluia, nous dit encore, la culpabilité universelle envers Dieu, si vous avez du Scofield, moi-même, il faut ressentir, du Scofield, page 1273, soit qu'on dit pas regarder, il parlait encore, un, la révélation de Dieu, encore, la révélation de la colère de Dieu. Alléluia, et se révèle sur toute l'humanité, encore on connaît ça, il parlait encore l'univers, encore une révélation de la puissance, de la suprématie de Dieu, il parlait encore les progrès de l'incrédulité dans le monde, ils sont donc inexcusables, déjà les conséquences de l'incrédulité pour le monde, Dieu les a livrés à des passions infâmes, comme étant homme avec homme, femme avec femme, des choses abominables, et puis il parlait encore, les moralistes ne sont pas meilleurs que les païens, dans chapitre 2, il y a les moralistes, c'est encore ceux encore, qui ne sont pas des juifs, ils ne sont pas, ils peuvent aussi des juifs, mais encore pas des juifs, ils ne sont pas des païens aussi, mais il dit, bon, est-ce plus mal passé, mon cas l'église est plus mal passé, les juifs sont plus mal passé, ça moi a fait, moi pas fait le tout, donc c'est encore les moralistes. Et puis, il parle pas encore, tout un dernier parti, sixièmement, avant dernier parti, les juifs qui connaissent la loi, ils sont tous condamnés encore par la loi. Alléluia. Parce que ils n'ont pas de capacité pour observer les 613 commandements de la loi et ils ont violé les. Donc encore, ils sont tous condamnés. Dans le chapitre 3, il continue encore, les privilèges des juifs augmentent. Encore, privilèges, ils gagnent parce qu'ils ils ont été si privilégiés. Alléluia. Et bien, c'est ça qui pourrait augmenter la condamnation. Alléluia, et pour accorder les condamnations. Donc, on a dit le verdict, verset 8e, dans verset 9 à 20, comme nous avons dit matin, le verdict, c'est que le monde entier est coupable devant Dieu. Donc, les films parlent encore, ils connaissent le verdict là. Alléluia, nous avons tout groupe, il y a encore, alléluia, les juifs, les païens, les moralistes, le monde entier. Donc, le coupable, c'est le verdict, car tous sont péchés, tous coupables. Maintenant, ils ont ça, mais maintenant. Mais maintenant. Sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc, on est là, il dit. Il dit ce mot, mais, en grec, là, c'est glosbe, glosbe, G-L-O-S-B-E, en grec. Il dit, c'est un mot, c'est encore les mots de ce verset peuvent être compris dans le sens d'une opposition temporel, côté dit maintenant, ça lui opposé au temps passé, qui régit par la loi, alléluia, ou une opposition logique, les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire étant donné l'impossibilité d'être juste par la loi, pas capable, la loi n'est pas capable de justifier. Donc pour Calvin lui-même, un grand théologien, alléluia, qui forme les calvinistes, il y a encore des Reformed Church, l'église réformée. Alléluia, dit comme ça. Calvin avait l'autre, il parlait, il dit maintenant, il parlait un sens temporel. Un sens temporel, il accentuait sur l'opposition entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle. Entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle. L'ère ancienne, c'est l'ère de la loi. L'ère ou bien la période ancienne, la période nouvelle. La période de la loi et la période nouvelle. Alléluia. Mais maintenant, il dit que l'on parle ici d'une nouvelle période. Mais encore, il parle ici d'une nouvelle période qu'on y a là. Encore là. Et c'est encore dans le présent contexte, c'est le maintenant eschatologique. C'est le maintenant eschatologique. Le temps présent inauguré par la mort et la résurrection de Christ. C'est lui-même qui succédait au temps passé, qui marqué par la domination du péché sur l'ensemble de l'humanité. Donc encore là, pendant deux chapitres premiers, alléluia, verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 20, c'était la condamnation, il y a encore universelle, alléluia, le monde entier sous péché. Mais après cette condamnation, alléluia, il y a le mais maintenant, oh, petit oiseau sous tête moi là, mais maintenant, alléluia. So, mais maintenant, alléluia, qui est encore beaucoup plus encore qu'un repère dans le développement logique, alléluia, il marque en effet l'entrée dans l'étape ultime maintenant, celle précisément de la manifestation éclatante de la grâce, mais maintenant, alléluia,
D'accord, malgré ni moun qui t'a observé la loi en bas condamnation, ça pas d'absolu observé en bas la nation, les morales en bas la condamnation, il dit même maintenant, d'accord, même maintenant, lui ouvrit, d'accord, une porte d'entrée, alléluia, sur la manifestation éclatante de la grâce divine. Nous sommes à la page 31 dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, les lettres de Paul, les lettres de Paul, les lettres de Paul. Alléluia. Donc elle a encore il dit, maintenant, sans la loi est manifestée, la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout ça encore. L'universalité du péché, l'universalité de la culpabilité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais encore, quelle est cette gloire qui a parlé là? De quelle gloire le péché prive-t-il l'homme? Qui gloire au perdu là? Alléluia. Mais selon F. Godel, il écrit aussi d'ailleurs encore, il y a une différente interprétation donnée à cette expression. Il a appliqué ce terme à l'image de Dieu sur laquelle l'homme avait été créé et que le péché avait effacé en nous. Et encore la gloire de Dieu, dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cette image, quand on représente aussi la gloire de Dieu, l'homme a été créé à la gloire de Dieu, mais à l'image de Dieu, ça c'est un premier, etc. Ou bien encore, il cherchait l'application dans l'avenir, la gloire finale. Quand on dit c'est la gloire de Dieu dans le passé, quand on dit c'est la gloire encore eschatologique, la gloire finale. Alléluia, l'homme privé, car le péché n'est pas l'empêcher, non, encore entrer encore dans le règne de Dieu. Donc encore, l'homme est privé de sa gloire. Le péché nous a fait priver de la gloire eschatologique. Encore, alléluia, la gloire eschatologique, la gloire finale. Alléluia, je dis encore un état hypothétique, la gloire qu'aurait procuré aux hommes la justice s'il avait possédé. Si vous avez gagné cette gloire, encore nous avons joui de la justice de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça, encore cette gloire. Son existence serait troublée ni moralement par la souillure du péché, ni physiquement par l'ignominie de la mort. C'est ça, elle parlait là. Donc je dis comme ça, ne pas donner gloire à Dieu, ne pas le glorifier ou de ne pas faire ce qui est à la droite de sa gloire. C'est-à-dire, dit-on, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Ils n'ont pas glorifié. Encore interprétation de quatre catégories, on dit là, de gens de gloire, ça. Encore que l'homme privé. Ne pas recevoir la gloire, l'honneur et l'approbation que Dieu donne, parce qu'il n'a pas approuvé le péché. Alléluia. Donc l'homme est privé de cette gloire. Troisièmement, ne pas refléter la gloire de Dieu, ne pas y atteindre, c'est-à-dire pas être conforme à son image. C'est encore tout ça, cette troisième façon d'interpréter la gloire de Dieu. Ne pas refléter la gloire de Dieu, ne pas atteindre la gloire de Dieu, ne pas conforme à l'image de Dieu, à sa ressemblance encore. Et puis quatrième façon, alléluia, il dit, manquer d'atteindre la gloire finale qui sera accordée au peuple de Dieu lors du retour. Manquer d'atteindre la gloire finale qui sera accordée au peuple de Dieu lors du retour. C'est ça, la gloire, encore, alléluia, eschatologique. Tout ça, lui parler. Donc, pour Paul lui-même, Paul utilise le temps présent, d'accord, d'un verbe, alléluia, descriptif d'un état ou d'une condition. Alléluia. Si l'apôtre avait pensé à l'option 1, côté de dire encore ne pas donner gloire, on peut supposer qu'il aurait inséré quelques termes comme donner gloire à Dieu. Alléluia. S'il prend encore l'option, ben encore, bien que l'expression la gloire de Dieu peut, selon l'usage du Nouveau Testament, appliquer à la louange aussi, que Dieu donne, ok? Bien encore, il conforme à la pensée boulinienne de représenter ce que la rédemption nous offre, en contraste avec ce que sa péché, ben là, tout ça, encore, c'était là, là, c'est en pile, et l'encouille, encore, mot d'accord, que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, ça, il fait verser en pile, là, encore. Alléluia. Aïe, Sarah Sylvain. Maintenant qu'il est arrivé, mamie arrivé, yes, je l'ai privé de cette gloire. Dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc là, nous sommes arrivés au verset 24. Nous revenons au verset 24 là, comme alléluia, dans le verset 24 là. Qu'est-ce que ça a soulevé encore du fait que, excusez-moi, verset 24 là, commencé par un participe
étant justifié, le participe. Alléluia. Encore, étant justifié. La solution la plus simple consiste à voir les versets 22, verset 23, comme une parenthèse qui est rattachée à verset 24 là. Au verset 22, il dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et tous ceux qui croient, étant justifié gratuitement par sa grâce. » Pourquoi pas l'esprit de forme de participe, ça qui est donné au premier coup d'œil. Il suffit de se rappeler que l'idée de la justification avait été positivement annoncée. Il était annoncé justification dans verset 21. Alléluia, mais maintenant, sans la loi, est manifesté la justice. La justice est manifestée depuis là, et encore déjà manifestée depuis là, au Kababouéli, parce qu'il était déjà manifesté, au Kabab comprendre, déjà, parce que ça était déjà manifesté. Que Paul, par conséquent, il est venu maintenant, après l'espèce de parenthèse formée par le verset 23. Parce que par verset 23, alléluia, oh, alléluia, yes, et verset 23, c'est comme une parenthèse de fin parler de manifestation de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, de la justification de Dieu. Mais il vient dans verset 23 pour dire car tous sont péchés. Car tous ont péché. Et pas tous sont péchés, non? Tous ont péché. Donc c'est ma voix les vite, mais car tous ont péché. Mais c'est ma voix encore pour moi capable de détacher vite. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parfois, nous connaissons un temps sur le côté, car tous sont péchés et sont privés de la gloire. Ce n'est pas tous sont péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc là, ça, vous considérez ça comme une parenthèse qui va marcher avec le verset 21, verset 21, ça vient dans le temps, et puis verset 24, là, il vient nous reprendre encore ça, verset 21, verset 22, tabdia, verset 23, tabdia. Alléluia. Ça veut dire que cette construction se comprendra plus facilement encore si on fait encore porter le passé puis sur la dernière proposition. Il n'y a aucune différence en appliquant cette parole comme nous l'avons fait à égalité, non dans le péché, mais dans la justification. Il n'y a entre aucune différence. Mais étant justifié gratuitement, cela employé au nominatif après une proposition qui pourrait comporter encore pour vraiment un autre cas, etc. Que signifie étant donc justifié? Étant donc justifiés, ils sont gratuitement justifiés. D'accord? Alléluia, ils sont gratuitement justifiés. Paul emploie le mot, encore souvent le verbe justifier dans l'épître ça. Dans l'épître Paul, là, c'est pas des, encore fois, ils ont employé le verbe justifier. Alléluia, justifier, justice, justification. Il y a un vocabulaire juridique. Le mot justifier, son vocabulaire juridique, en parlant de quelqu'un qui a été accusé. Alléluia, accusé. Alléluia, beaucoup de chefs de condamnation. Et maintenant, vous, encore l'accusé, a trouvé, alléluia, sa justification. Et il a été encore trouvé, ou bien déclaré, pas trouvé, mais déclaré non coupable. Alléluia, c'est ça le Seigneur fait pour nous, c'est ça l'Évangile a fait pour nous. Alléluia, quoi que nous avons tous péché. Nous avons tous péché, nous avons tous été encore privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, mais on dit qu'on va être fait, le fait que nous acceptions le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, alléluia, eh bien, lui déclarer nous non coupables. À tout péché, à nous, lui déclarer nous coupables. C'est même genre un monde qui fait un crime et puis, je l'ai déclaré non coupable, ou même jury. Pas joué assez évidence pour convaincre. Les 12 membres du jury disent unanimement, dit, mais il n'est pas coupable. Ou pas qu'à réjuger mon sang encore pour même crime ça encore. Parce qu'il était déclaré non coupable. Si vous êtes déclaré un mistrial, alléluia, bien nous capable de réjuger mon nom, mais c'est déclaré non coupable, not guilty, that's it, il est non coupable. Pas qu'à juger. Donc c'est pour ça encore, c'est pour ça libre à dire dans Romains 8 là. Mais maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce qu'il nous a déclaré non coupables. Il nous a justifiés. Alléluia. Donc être justifié, c'est déclarer non coupable, un terme juridique. Quand nous sommes encore déclarés non coupables, alléluia, nous n'avons pas de condamnation. Il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Il est encore, c'est ça le dit là. Justifié. Paul emploie souvent le verbe justifier. Justifié, c'est-à-dire déclarer juste.
déclaré justifié, déclaré juste, déclaré non coupable, mais not guilty, comme on dit encore. Justifié, déclaré juste, celui dont l'innocence a été reconnue et dont la culpabilité n'a pas été prouvée. Alléluia. Donc l'innocence, pour nous reconnaître qu'il y a tel encore 40 nombres, 40 tel bagaille, encore oui de jury. Pharaon Mr. Alfred Joseph, not guilty. 40 tel bagaille, oui de jury. Pharaon Alfred, not guilty. Il y avait encore les toutes 40 qui ont été chargées, qui étaient capables de life sentence ou bien encore la mort, c'est en peine de mort, peine capitale. Ok? Mais puis il y avait encore de jury. Les femmes qui ont dit que c'est peine capitale. Et c'est comme ça tout Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia devant encore les accusations du grand persécuteur Satan. Satan, le diable, lui dit l'accusateur. Il a encore accusé nous. Alléluia. Et oui, nous coupons, vous voyez, c'est vrai. Mais, alléluia. Jésus, notre avocat, a plaidé notre cause. Alléluia. Et puis, encore, il n'y a pas qu'à convaincre de notre culpabilité, parce qu'il défend nous tellement bien, et bien encore, nous sommes d'accord déclarés coupables. Nous déclarés non coupables, innocents. Alléluia. Nous déclarés innocents. Alléluia. Nous sommes justifiés. Alléluia. Justifiés. Ça veut dire déclarés juste. Alléluia. Celui dont l'innocence a été reconnue, et bien encore, dont la culpabilité n'a pas été prouvée. Dans le cas du péché devant Dieu, il s'agit d'un acte gratuit du Dieu souverain qui couvre les péchés. Pas oublié, c'est couvrir, oui. Péché à l'avoué, nous connaissons nos coupables. Pour m'avoir, nous connaissons nos coupables. Et puis, on dit, waouh! C'est même genre encore Barabbas, l'assassin. Condamné pour être exécuté le jour même avec les deux larrons. Il devait être au milieu, car c'était lui qui était le chef, le révolutionnaire, qui a entraîné avec lui d'autres. Alléluia, l'autre, c'était des complices, mais lui, c'était lui le coupable, le chef de la révolte menée contre Rome. Il devait encore être crucifié le jour même. Et puis, on l'a échangé avec un innocent. Voulez-vous, j'ai l'habitude, comme vous savez, à toutes les fêtes, chaque les fêtes de Pâques, ou bien Passover, puis ça, c'était habitude pour encore plus capable de relâcher un trou prisonnier que ont choisi. Qui laisse nous venir jouer? Nous avons un prisonnier là qui vient pour exécuter aujourd'hui, les Barabbas. Donc on est là, entre Barabbas avec Jésus, qui laisse nous venir pour relâcher? Oh oh, je dis, relâcher Barabbas, condamner Jésus dans la place. Wow! Je dis, puis il a dit, are you sure? I'm talking about Barabbas. Vous voulez parler de Barabbas? Ce révolutionnaire. Dans la révolte, il y a encore dans pile monde qui mourit. C'est jeudi, elle doit exécuter. Devant genoux, vous voulez me blaguer, il ne peut pas exécuter. Il dit oui. Mais il dit, il n'y a pas rien qui fait qui mal. Nous voulons dire pour condamner, il n'y a pas rien qui mal. Sous balaguer. Sous la Jésus. Balaguer Barabbas. Ou trahissez ça. Parce que Jésus, il dit, c'est roi des Juifs. Tout le monde qui dit roi, c'est César, parce qu'il n'y a pas l'autre roi que César. Waouh! Il prend condamnation à son don. Il mourit dans la place, moi. Dans la place où. On a gagné la vie. Et c'est comme ça, c'est ça qui justifie nous. C'est ça qui est encore la justice de Christ. Il couvre nous. Quand nous le saluons, nous couvre nous. C'est ça qu'il fait là. Il dit, Dieu encore couvre nos péchés. Chapitre 4, verset 7 là. Chapitre 4, verset 7, nous pouvons arriver là-dedans. On va encore voir le verset là. Chapitre Romains 4, verset 7, on va jouer que qui s'abonne faire les péchés là. Encore, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Romains 7, verset 4. Romains 4, verset 7. Couvert. Yes. Péché a, c'est couvrir. Depuis nous sortir en bas couvert, il y a maintenant. Maintenant, à tout péché, nous. Faut nous rester en bas couverture, ben nous, la couverture de l'évangile, la couverture de la grâce. C'est couverture ça,
qui déclare, qui fait nous marcher, chaque jour nous marcher, il est toujours encore innocent. Alléluia. Parce que nous couvrir. Oh, alléluia. Donc encore, nous campons là aujourd'hui. Hein? Je vais aller plus loin. Encore dans quatre solutions. Je vais camper là. Et alléluia. Étant été justifié gratuitement. Malité, moi, je vais justifié gratuitement. Nous avons par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alphaël Joseph pour l'offrande du soir. Alléluia. Pas oublier que le service à soi. Et n'a pas mis Madio, nous avons deux qui étaient dans 13 Madio. Il y a deux qui étaient. Alléluia. Alléluia. Yes, sir. Il y a deux qui étaient. Aux oiseaux sous tête, là, oui, comme ting, 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 ting. Même pas internet qu'on est. Tout mal est arrivé là dehors. Ah ben, bye bye, que bon Dieu bénisse nous. That's it.